avait des potions. Alors, nous voici à la fête des lances de Champagné. Alors, ce matin, les lanciers sont rentrés à la messe à 9h45 pour écouter l'évangile des rameaux. Un quart d'heure après, ils sont ressortis, ils ont monté à cheval. Et Judas en tête a emmené le lancier pour vers le cimetière pour reproduire la trahison du Christ. Alors Judas, à l'aide d'une échelle, a escaladé le mur du cimetière. De l'autre côté, il a sauté. Il y a deux lanciers qui l'ont accompagné pour être témoins. Et Judas s'est dirigé vers le Christ qui était sur une estrade à l'entrée du cimetière. Et Judas s'est adressé au Christ et lui a dit « Je te salue mon maître ». Et il lui a baisé les pieds pour que les lanciers voient que c'est bien lui le Christ. Et l'un des porteurs est arrivé, il lui a remis sa récompense, 30 deniers. Suite à ça, l'abbé Chérel a béni les rameaux. Et toute la procession est revenue à l'église. Le Christ a été ramené à l'église par 4 porteurs. Et il y a eu la messe de la Passion. Et là, cet après-midi, à partir de, ça a commencé à 14h, le rendez-vous, place de l'église à Champagné. Il y a un défilé avec les lanciers et deux tambours. Et les lanciers sont arrivés vers 15h sur le terrain du Bris des Lances. Et là, actuellement, c'est le Bris des Lances. Les lanciers, tour à tour, doivent ficher leur point de ferrée de la lance dans un poteau de quintaine. À savoir que la lance fait 4,29 m et que le cheval faut qu'il soit au galop, que le picot en fer de la lance reste fiché dans le poteau de quintaine et que le lancier conserve sa lance. Et le capitaine qui est au milieu du terrain est le seul juge et désignera le vainqueur. Très nombreux cette année. Et tout à l'heure, je regardais Guillaume Guédet, le président, qui avait ses lunettes, qui était d'un sérieux. Et au fond de lui-même, il doit se dire, on a fait du bon boulot. Alors, il est évident que les chevaux ne sont pas habitués, comme chaque année, ils ne sont pas habitués à ce qu'il y ait du bruit, à ce qu'il y ait du monde, ils ne sont pas dans leur environnement normal. Voilà, on peut les applaudir aussi, eux, pour cette première mise en jambe, alors que la compétition n'est pas encore commencée. Hein. Qui est avec nous depuis 9 ans. Mon capitaine, bonjour. Ensuite, eh bien, le porte-drapeau, Benoît Véron. Ashley, qui est un cheval de 9 ans, qui lui appartient, et le meneur était Guillaume. Alors que pendant que je parlais, bien Aurélien. Et voilà. Quentin Vernon. Ah ! Vous pouvez l'applaudir, mais malheureusement. Mené par Pascal Dumont. Romain Kerr. Et ça ne sera pas pour cette fois-ci. Voilà, si là vous pouvez applaudir. Merci. Applaudir et les encourager parce qu'ils n'ont pas démérité. Hein.
Alors la fête des Lances sur Champagné, c'est une histoire, une longue histoire sur la commune, puisqu'elle a été créée au XIIe siècle, cette fête des Lances, en fin de Moyen-Âge. Et depuis, elle a toujours été entretenue sur la commune, à part quelques pauses pendant les grandes guerres mondiales. La fête des Lances sur Champagné, pour moi en tant que maire, c'est quelque chose d'important, parce que c'est un patrimoine, cette fête des Lances. Ça fait plus de 8 siècles maintenant qu'elle existe. On a, et ce patrimoine a cette spécificité d'être un patrimoine vivant, puisque nous avons chaque année 6 jeunes lanciers, 2 équipes de 6 jeunes lanciers, 12 jeunes lanciers qui vont concourir pour pouvoir attraper à l'aide de leur lance de plus de 4 mètres le poteau de quintaine sur le terrain des Bris de Lance. Voilà, donc chaque année on célèbre cette fête des lances sur la commune de Champagné.